Salut à tous, merci de me retrouver pour la Minute Quintet. Alors, ce samedi 11 juin 2022, on reste sur l'hippodrome de Vincennes après un quintet disputé vendredi en nocturne. Ce samedi 11 juin, on reste sur la cendrée de Vincennes avec un beau quintet qui nous attend. Réunion 1, course 3, le prix du Quercy. Comme vous le voyez, pour chevaux de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 500 000 euros, recul de 25 mètres à 285 000 euros. Donc un lot assez bien composé, hein, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, 14 concurrents au départ, bon, vous le voyez, 75 000 euros de dotation. Un lot assez intéressant qui nous attend, comme je l'ai dit. Voilà, 14 partants, donc 2850 mètres pour les 10 premiers, puis un recul de 25 mètres à partir du numéro 11, donc pour les 4 plus riches. Voilà pour le tableau. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 6, Goéland au Fort. Alors, Goéland au Fort, c'est vraiment un super cheval. La dernière fois, il a été battu par Haribo du Loisir, qui est un très bon cheval également. C'est un 5 ans de qualité, Haribo du Loisir. Il l'a d'ailleurs prouvé à maintes reprises. Voilà, d'ailleurs, ce jour, il court ce samedi à Haribo du Loisir. Il court un semi-classique face au meilleur de sa génération. Donc, voilà, ça situe un petit peu l'opposition qui a devancé Goéland au Fort. Mais voilà, ce Goéland au Fort, il a bien couru. Il reste sur une bonne deuxième place alors qu'il a pas eu un parcours favorable. Il a gagné un rang après en quête, hein. Il était troisième au départ lors de sa dernière sortie. Maintenant, comme je l'ai dit, il a eu un parcours le nez au vent. Il se comporte bien, hein, parce que sa trotte 12, ça a été vite sur un parcours de tenue. Et franchement, il n'a pas démérité. Il s'est montré vraiment très courageux. Là, il affronte ses aînés. Franchement, ses aînés sont des bons chevaux. Maintenant, il y en a quelques-uns qui sont vieillissants. Lui, il a 6 ans. Face à ses aînés, c'est vraiment très bien. Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Il est bien engagé. Christian Bigeon, qui a 3 pensionnaires dans cette course, je pense que c'est vraiment sa meilleure cartouche, ce Goéland au Fort. Il est régulier. Il réalise un bon début d'année. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Ce parcours de tenue, c'est vraiment sa tasse de thé. Goéland au Fort, avant le coup, je trouve que c'est vraiment la base en béton dans cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7. Pharrell Seven, Jean-Michel Bazir. Alors lui, il faut vraiment le reprendre en confiance. Il vient de se montrer fautif, c'était dans la cinquième étape du GNT au Croisé-la-Roche. Il avait fait une petite faute durant le parcours et puis pour finir, il s'est vraiment perdu dans ses allures alors qu'il était encore compétitif pour un bon classement. Moi, je le reprends en confiance. Hein. Auparavant, c'était 2 victoires sur l'hippodrome de Vichy. C'est un concurrent qui a réalisé un superbe meeting sur la cendrée de Vincennes. Il a d'ailleurs un sacré chrono sur ce parcours. Il a déjà trotté lui aussi 12 effractions sur 2850 mètres de la grande piste. Voilà, donc pour rendre 25 mètres, il faudra quand même se lever de bonne heure et aller très vite. En tout cas, ce Pharrell Seven, sa bonne forme n'est pas à remettre en doute. Jean-Michel Bazir est confiant, il le défère des 4 pieds. Voilà, l'opposition est un peu relevée, hein, mais c'est normal. Après toutes les bonnes performances qu'il a affichées ces derniers mois, il monte de catégorie et c'est assez logique. En tout cas, il a encore un bon rôle à jouer et je pense qu'il devrait lutter pour une place sur le podium, ce numéro 7, Pharrell Seven. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 11, Elite de Giel. Alors elle reste sur 2 belles sorties. C'était sur ce parcours. La dernière fois, elle rendait pas 25 mètres les 2 dernières fois. Maintenant, elle rend 25 mètres, mais ça ne m'ennuie pas parce que c'est une jument qui a besoin d'attendre dans un parcours. Elle a une sacrée pointe de vitesse finale. Il faut que ça se passe bien pour qu'elle puisse s'exprimer pour finir. Mais sa forme est au beau fixe. David Thomas, il la retrouve, il la connaît parfaitement. C'est pas un souci. Donc voilà, beaucoup d'atouts elle aussi dans son jeu. C'est vraiment une jument qui me plaît tout particulièrement. Hein. C'est un petit peu un coup de cœur. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle peut aller vite pour finir. Hein. C'est vraiment une jument que j'aime beaucoup. Donc je l'ai retenue en troisième position. Voilà, 6, 7, 11. C'est les 3 chevaux que j'ai retenus en première place. Derrière, c'est un peu plus ouvert. Ça va dépendre un petit peu du parcours, un petit peu de la forme des chevaux. C'est pas forcément évident de situer tout le monde dans cette épreuve. Moi, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 4, Gamble River. Gamble River, vous le voyez, il vient de terminer sixième derrière Elite de Giel. Il n'a pas été très heureux ce jour-là. Et puis, ils étaient au même poteau. Là, il aura 25 mètres d'avance par rapport à sa rivale. Maintenant, c'est un cheval qui était entraîné par Sébastien Garateau, hein, par le passé. Il a toujours été meilleur un peu plus sur les parcours de vitesse. Mais il a gagné, hein, en tenue avec l'âge. Depuis qu'il est chez Pierre-Louis de Sonnette, il se comporte bien. Il a une bonne troisième place. Juste avant sa sixième place, c'était sur un parcours de tenue sur la grande piste. Il se comportait très très bien également. Voilà, c'est un cheval qui va bien partir, qui va se retrouver bien, bien placé durant le parcours. Et je pense qu'avec avec un déroulement de course à sa convenance et un peu de rythme, il est capable de garder une 3-4e place comme ça. Donc j'ai retenu quatrième.
Ensuite, en cinquième position, attention au numéro 12, Et voilà de Muse. Il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines maintenant. C'est, je crois, l'un des chevaux qui a les meilleures performances. Il a vraiment couru dans des sacrés lots. Il a couru même, je crois, peut-être au niveau classique, peut-être même le prix de Cornulier, je crois, en haute remontée. En tout cas, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui est dur à l'effort. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. Et puis, Sébastien Garato le défaire des 4 pour cette rentrée. Voilà, je pense que c'est un signe de confiance. Franck Ouvry, qui le connaît. Voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Hein. Cette course est assez ouverte et je trouve que lui, il a quand même pas mal d'atouts dans son jeu, comme pas mal de concurrents. Voilà, il se montre parfois fautif, mais c'est pas forcément toujours le cas. Vous le voyez la dernière fois disqualifié, mais je pense qu'il a été arrêté suite à cette sortie. Il avait peut-être eu un petit problème. Vous le voyez l'année dernière, très régulier. Comme je l'ai dit, c'est un concurrent qui est capable de mener grand train ou d'attendre et de suivre tous les trains. Donc c'est vraiment un avantage sur ce tracé, et voilà, s'il n'y a pas beaucoup de trains, malgré ses 25 mètres d'handicap, il est capable de venir, de se rapprocher, de faire le boulot, donc vraiment c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Donc le numéro 12, Et voilà de Muse, je l'ai retenu en 5ème position. Ensuite en 6ème position, le numéro 14, Dexter Cato. C'était pas si mal hein, la dernière fois, faut pas se fier à sa musique récente, hein, 9e, 7e, 8e, 8e, il vaut mieux que ça, et puis surtout, il est confié à Eric Raffin cette fois-ci, déféré des 4 pieds, c'est vraiment un bel engagement, c'est le plus riche au départ, même s'il doit rendre 25 mètres, il y a quand même que 14 partants au départ, et puis voilà, le numéro 9, Emiliano Zapata, et l'as Gaspard de Brion, ce sont deux non-chances, ils sont ferrés, leurs entraîneurs respectifs n'ont pas caché qu'ils n'avaient pas cet objectif en tête, donc voilà, ils ne sont que 12 au départ au final, pas vraiment 14, donc avec aussi peu de partance, numéro 14 Dexter Château, ça lui laisse vraiment une belle carte à jouer, voilà, malgré l'opposition, je pense qu'il est tout à fait capable de venir prendre une place. Ensuite, en 7ème position, le 8 El Santo Fort, le 3ème représentant de Christian Bijon. Voilà, la dernière fois, c'était assez correct. Hein, il terminait 7ème derrière Gamble River. C'était sur un parcours d'autre nuit. Il n'a pas beaucoup de marge. Hein. Maintenant, comme je l'ai dit, ils ne sont pas beaucoup au départ. Et c'est un concurrent qui est capable d'enrouler de loin. Pourquoi pas déférer les 4 pieds au premier poteau. Il a un bon chrono sur cette distance. Je pense que c'est un des concurrents qui est capable de finir 4-5e à une cote intéressante. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Carnaval du Vivier, un petit peu par dépit, parce que c'est vrai que les concurrents derrière, c'est pas extraordinaire, hein, je vous l'ai dit, à part les trois concurrents, trois premiers que j'ai cités, derrière c'est un peu plus ouvert. Carnaval du Vivier, sur un parcours aussi long, en rendant 25 mètres, il a pas de marge, il a 10 ans, mais bon, il est déféré des 4 pieds, puis c'est Thierry Duval d'Estaing, hein, Thierry Duval d'Estaing en grande forme, un entraîneur toujours redoutable, donc voilà, je m'en méfie surtout pour une petite place, je l'ai retenu vraiment en fin de combinaison. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Esperanzo, c'est pour créer une petite surprise, c'est mon regret, mais c'est vrai que ce numéro 5, Esperanzo, il a montré des moyens par le passé, il a couru 4 fois cette année, il tarde un petit peu à retrouver son meilleur niveau, c'est pas Mathieu Mottier qui en selle, maintenant il est déféré des 4 pieds, Pourquoi pas pour une petite surprise. Je vous l'ai dit, la course peut être assez ouverte derrière les trois favoris que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous faites des champs réduits, vous prenez des bases, n'hésitez pas à glisser le numéro 5 Esperanzo. Il peut vraiment créer une surprise et une cote intéressante. Donc voilà, ce sera mon regret. On va faire un petit récap de ma sélection avec le numéro 6 devant le 7, le 11, le 4, le 12, le 14, le 8 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 5, voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus de ce samedi 11 juin sur l'Hippodrome de Vincennes-Réunion, un course 3 prévu à 15h15. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé ce jeudi 9 juin. Quintet Plus qui se disputait sur l'Hippodrome de Longchamp. Alors là, c'est impressionnant. C'est le Quintet Plus, je crois, le plus facile pour un handicap qu'il m'était donné de voir. D'ailleurs, cette rubrique, vous l'indiquez tout simplement 5 chevaux. Je crois que je vous donnais le quartet en 4 et le quintet en 5, je crois. En tout cas, voilà, les 5 premiers qui étaient en toute logique les chevaux de la course. Les 4 premiers de la course référence, plus le vainqueur de la deuxième épreuve. Donc vraiment, on ne pouvait pas faire plus simple, même si c'est vrai qu'avant le coup, on peut toujours se méfier des handicaps. Voilà, d'ailleurs, les rapports qui ne sont pas forcément au rendez-vous.
Tiers sélection et top prono, bien entendu, vous indiquez tiercé, quartet, regardez, top prono qui vous indiquait un trio qui est chiffré à plus de 1000 euros quand même, donc vraiment une rubrique qui a fait feu de tout bois ce jeudi 9 juin. Donc voilà, pour vous abonner, n'hésitez pas, c'est à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte. Je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Moi, je vous retrouve dimanche 12 juin. Ce sera un quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu, à cocher la petite cloche pour être abonné à notre chaîne YouTube et être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Sachez qu'il y a à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com après tirage au sort parmi tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire. Moi, je vous souhaite de bons jeux à tous, une bonne journée, un bon début de week-end. Bye bye.